du cours, deuxième partie du cours, fonction linéaire, fonction affine. Les fonctions affines. On va commencer par une activité. On appelle K la fonction qui a un nombre associé le résultat obtenu avec le programme de calcul suivant. On doit choisir un nombre, multiplier ce nombre par -3, puis lui ajouter -6. Enfin, calculer la somme obtenue. Complétez le tableau suivant en prenant x égale à -4, -3, ainsi de suite. Pour x égale à -4, on a choisi le nombre. On doit multiplier -4 fois -3 vaut 12, puis ajouter -6. Donc ça sera 12 plus, entre parenthèses, -6. Puis calculer la somme, ça vaut... C'est pareil pour -3, on obtient 3. Pour 0, -6. Pour 1, -9. Pour 3, -15. Pour 6, -24. La deuxième question, quelle est l'image de 0 par K? Donc, on prend x égale à 0, en cherchant dans le tableau, c'est là. Son image, c'est -6. La question suivante. Donnez un antécédent de 3 par k. Donc, on prend kx égale à 3. Son antécédent, x vaut -3. Voilà. Définition. Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x associé à un nombre ax plus b. Autrement, soit a et b de nombres fixés. F de x égale à x plus b. ax plus b, c'est l'image de x par f. A, c'est le coefficient, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Des cas particuliers. Si b égale à 0, alors f de x égale à x plus 0. Donc f de x égale à x, d'où f est une fonction linéaire. Si a égale à 0, alors f de x égale 0 fois x plus b égale à p. Donc f est une constante. Exemple. F de x égale à -4x plus 3. -4, c'est le coefficient, et 3, c'est l'ordonnée à l'origine. L'expression d'une fonction affine. Pour déterminer l'expression d'une fonction affine, il faut préciser le coefficient par a égale f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Il faut préciser l'ordonnée à l'origine par b égale f de x1 moins a x1. Exemple. Soit f une fonction affine telle que f de -2,5 égale à 3 et f de -3 égale à 1. Le coefficient de f est, d'après ce qu'on a vu, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Si x1 c'est -2,5, x2 c'est -3. On a remplacé, on a eu a égale à 4. L'ordonnée à l'origine est b égale f de x1 moins a x1. On a remplacé x1 par -2,5, on a obtenu 13. D'où f de x égale 4x plus 13. Activité représentation graphique. Dans un repère orthonomé suivant, déterminer les coordonnées des points x, kx. Que peut-on déduire? X égale à moins 4, kx 6. Et le point, c'est 1. Donc, on va présenter sur ce repère. A, moins 4, 6. Pareil pour B, moins 3, 3. C, 0, moins 6. D, moins 2, 0. Et E, c'est moins 1, moins 1 et moins 3. Que peut-on déduire? D'après le schéma, on déduit que les points sont alignés, comme on voit ici, et qui ne passent pas par l'origine du repère. Définition. La représentation graphique d'une fonction affine est sous forme d'une droite. La représentation d'une droite nécessite deux points minimums. Exemple, le coefficient de f est, on a f de x égale 2x, f de x, c'est ça, f, on a le point moins 3,5, 0, on a moins 3 et 1. Donc on doit calculer le coefficient et calculer l'ordonnée. A égale, on a pris a égale, en rappelant que a égale f de x1, moins f de x2 sur x1 moins x2, en remplaçant x1 par moins 3,5 et x2 par moins 3, et on obtient a égale à 2. L'ordonnée à l'origine est f de x1 moins a x1, en remplaçant x1 par moins 3,5. Et a, ce qu'on a obtenu ici, c'est 2. Et b devient 7. Et là, f de x égale 2x plus 7.